Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Salza. On se retrouve avec Losing et on va parler du coup de la suite. J'ai bien eu vos commentaires, alors vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé de continuer. C'est pas non plus le plébiscite de fou, mais ça fait quand même plaisir, donc je vous remercie d'avoir pris la peine de me répondre quand j'ai demandé si vous vouliez voir la suite. Du coup je me suis renseigné un peu, j'ai fait des tests, j'ai fait quelques essais sur comment réussir cette quête pour faire signer les traités de paix. Alors en fait il s'avère que les différents clans ont différentes manières de gérer ça. Par exemple les Tur, il faut combattre un géant, je crois que c'est les Dib ou les Akal, il faut trouver plus ou moins la mère ou la femme du chef pour la convaincre elle et elle va le convaincre le mec. Donc il y a différents moyens de le faire. La dernière fois on avait testé le sultan Nazir, donc lui il n'y a pas le choix, il faut le combattre. Et je pense que c'est là que ça va déconner. J'ai fait plusieurs essais avec différents... les gens disent qu'il est hyper dur, même au niveau max. J'arrive à peine à le toucher alors que je suis niveau 20, que j'ai un stuff qui est clairement pas hyper amélioré, mais bon on est quand même sur de level 12, des trucs dorés, etc. J'arrive à peine à lui faire mal, même avec du consommable, avec des armures, des soins et tout. Il me tue tellement vite que j'avais même pas le temps d'utiliser raccourci clavier, en fait il me stun au premier attaque et après c'est fini. Donc je n'arrive pas à le battre, du coup ça met un petit peu en péril la suite, et le coup de conquérir l'intégralité de la map pour lui, ça me plaît franchement pas, ça va nous prendre des siècles. Donc là je pense qu'il y a un petit problème d'équilibrage dans le jeu sur cette quête là, donc c'est discuté sur les forums, hein, ça a été remonté et tout, donc je pense que peut-être les devs vont y travailler. Dans tous les cas, je vais pas vous imposer 10 000 tentatives de combat là-dessus, donc je pense que, je suis désolé pour ceux qui m'ont demandé d'aller plus loin, mais on va s'arrêter là pour Sons of Salza. On a déjà bien poncé le jeu, fini quasiment toutes les quêtes secondaires. On est coincé sur cette quête-là principale tant que l'équilibrage est pas forcément fou. Il y a peut-être certaines classes, certaines combos qui sont plus puissantes que d'autres face à lui, mais en rencontrant en tout cas avec le Beastmaster, je pense que si j'arrivais à tenir suffisamment longtemps pour me transformer en dragon, ça le ferait. Sauf qu'à partir du moment où il m'a stun, il me fait tellement mal que je peux pas esquiver et tout, il me défonce, je peux même pas mettre un coup, quoi. Il est juste hors de portée de mes armes, enfin, donc c'est ingérable. Donc du coup, on va arrêter cette série-là, malheureusement, pour l'instant. J'y reviendrai peut-être si jamais les messages que j'ai vu passer reparlent un petit peu d'équilibrage. Sachant qu'il est toujours en early, hein, comme je disais la dernière fois, donc le contenu est assez fou. Et en plus, il y a une nouvelle mage qui est sortie, qui ajoute plein de trucs, des armes de siège pour les combats de siège, enfin tout un tas de choses, mais je vous laisserai découvrir ça par vous-même. J'ai déjà fait beaucoup de découvertes sur ce jeu, découvert plein de trucs, montré plein de choses. Je sais que certains d'entre vous ont craqué et l'ont pris, donc vous allez pouvoir vous éclater. Je sais que moi je vais probablement tenter la rejouabilité avec une autre classe, alors en off sans doute, parce que je vais pas refaire tout. Sauf si ça vous plaiderait vraiment de voir une classe précise, auquel cas dites-le moi. Mais on va aller faire un petit tour d'ailleurs pendant que je parle dans les différentes possibilités. Alors, vous voyez, je suis toujours à côté du mec, hein, parce que j'ai fait plein de recharger et retenter, changer mes stuff, changer mes consommables et tout sans succès. Donc voilà, pour l'instant c'est visiblement pas possible. On n'a, je crois, pas atteint suffisamment de points. Ah si, on a 130 points, donc on pourrait éventuellement jouer le Nameless. Donc le Nameless, c'est un personnage qu'on peut entièrement personnaliser, donc pourquoi pas. Mais voilà, donc les différentes classes qui pourraient être jouables avec différents gameplays. Nous on a joué le Shaman. Donc voilà, en tout cas je vous remercie, je voulais faire un petit épisode pour pas quand même être fin au truc brutalement. Et vous remercier tous ceux qui ont suivi la série jusqu'au bout. Il y avait quand même des vues assez constantes tout le long et des commentaires et tout, ça faisait plaisir. Donc voilà, on va s'arrêter là parce que là on est arrivé aux limites, je pense, de mon chaman, hein. Il arrive vraiment pas à encaisser Nazir, le sultan Nazir. Il est beaucoup trop badass, mais avec des potions de résilience, des potions de soins, ça passe pas. Donc tant pis, c'est pas grave, hein. C'est comme ça, le jeu est en early, j'espère qu'il sera un petit peu rééquilibré sur ce sujet là. Je pense que des classes comme le Berserker ou la Sentinelle, voire même peut-être pourquoi pas le Jeteur de sorts, qui arrivera à rester suffisamment loin pour éviter ses stuns,
on serait plus à même de gérer ça. J'ai vu que des gens ont réussi avec le Blade Dancer aussi, qui est plutôt du corps à corps lanceur de sorts, donc il y a moyen. Dans tous les cas, c'est pas très grave, hein, on était quasiment au bout, on a fait toutes les quêtes, on n'a pas non plus de difficultés, on a complètement mis de côté le gameplay de gestion des villages et compagnie. Il y a d'autres classes qui sont beaucoup plus orientées autour de ça, et notamment qui peuvent du coup avoir du meilleur stuff, beaucoup plus de personnes dans leur groupe, encore plus que moi, notamment le sultan. Donc du coup, il y a quand même plein de possibilités de refaire des choses. Là, vous voyez qu'en une partie même pas terminée, j'ai débloqué 134 points de legacy, ce qui me permet de prendre pour 134 points de bonus. Et donc deux nouvelles personnes, par exemple Omar ou Tasha, qu'on a débloqué en faisant leur quête. Donc, du coup, c'est quand même assez intéressant, hein. On peut avoir directement des personnages assez énervés dès le début, ou des compétences. Enfin, vous en avez vu ça dans les premiers épisodes, je vais pas tout vous refaire, mais il y a quand même quelques trucs. Non, on n'a pas débloqué ça. Faut terminer le jeu une fois, mais on peut jouer les Ifrit, c'est quand même assez génial. Donc niveau rejouabilité, une fois de plus, le jeu est assez fifou. Mais bon, voilà. Si jamais ça vous intéresserait éventuellement de revoir un gameplay avec une certaine classe, dites-moi. J'essaierai de caler ça dans le planning. Là, probablement, on va attaquer une nouvelle série avec quelques runs sur Pirate Quartermaster, qui vous avait bien plu. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir l'épisode de découverte. Mais on va probablement remplacer Sons of Salzar par ça. J'espère en tout cas que ce petit jeu vous aura intéressé, j'en suis raisonnablement sûr, vu que vous l'avez suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, me dire si vous voulez voir une classe en particulier, même si juste pour faire une présentation. Et sur ce, je vous remercie, je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.